Bonsoir ou bonjour. Je vais vous parler aujourd'hui rapidement d'un challenge auquel je souhaitais participer il y a 2 semaines. C'était le challenge d'Antastasia, qui est une booktubeuse que j'aime beaucoup, qui était 7 jours, 7 livres. Alors je vais dire tout de suite, je n'ai pas réussi à lire 7 livres en 7 jours. Mais en fait, finalement, c'était pas le but pour moi. C'était pas le but parce que en fait ce que j'attendais dans ce challenge c'était de me recentrer un peu sur la lecture, dans le sens où moi je lis tous les jours. Je lis tous les jours avant de dormir, c'est une habitude que j'ai toujours eue et que j'ai jamais perdue. Mais je voulais profiter du confinement pour me recentrer sur la lecture et avoir vraiment des plages horaires dans la journée où je lis beaucoup, vu que je ne travaille pas en ce moment. Et donc moi c'est ça que je voulais avec ce challenge, c'était m'encourager en fait à lire davantage, et, plus régulièrement, plus longtemps. Voilà, de base, sinon j'aime pas trop en fait le fait de mettre la pression, enfin je trouve que sur BookTube il y a beaucoup de pression sur les... Attendez, hop, je vais vous bouger un tout petit peu. Non, c'est pas mieux. Bon, tant pis, désolée, il y a le truc en bas là. Sur BookTube, je trouve qu'il y a beaucoup de pression sur les chiffres et l'espèce de productivité littéraire qui est à mon sens pas lieu d'être. Enfin, le but, c'est pas de lire le plus de livres, le maximum de pages et le plus de mots. Enfin, pour moi, le but, c'est vraiment juste de prendre plaisir à lire et de continuer à apprendre, à découvrir de nouveaux auteurs et tout. Donc voilà, je trouve qu'il y a un côté un peu productiviste parfois sur BookTube en général. Et un peu, où ce qui compte, c'est finalement moins les livres lus que genre le nombre de livres, etc. Donc ça m'agace un peu. Donc voilà, pour moi c'était pas grave du tout que j'arrive pas vraiment à lire 7 livres en 7 jours. Il y avait pas du tout de pression à se mettre. Encore une fois, ça doit rester un plaisir. Donc, je vais vous parler des 4 livres que j'ai lus finalement. J'ai lu 2 pièces de théâtre, une nouvelle et un roman. Première pièce de théâtre que j'ai lue, c'est Agatha de Marguerite Duras. Je vais le mettre là comme ça. Donc Marguerite Duras, j'aime beaucoup. C'est une autrice que je connais surtout pour... comment il s'appelle ? L'amant, que j'ai beaucoup aimé, qui m'a beaucoup marqué. Donc ça, dans cette courte pièce de théâtre, on retrouve son style très... un peu à la pire, enfin, il y a une vraie économie de mots, quoi. C'est chaque mot compte. Donc ce que j'ai bien aimé dans cette pièce, c'est que donc on suit 2 personnages, un frère et une sœur, et c'est une... enfin, il y a de l'amour incestueux entre eux. On sait pas si c'est consommé ou pas, c'est pas le sujet, mais ils s'aiment dans l'amour qui n'est pas fraternel. Et en fait, on est vraiment plongé dans la psyché des personnages, enfin vraiment dans leurs sentiments, je trouve qu'ils sont très bien décrits et c'est très beau. Donc j'ai aimé, c'est pas ma pièce préférée, je voudrais lire encore autre chose d'elle. Mais j'ai beaucoup aimé, j'ai vu au théâtre La Douleur, j'ai lu L'Amant, et ça c'était le troisième truc que je découvrais d'elle. Donc je vais lire encore autre chose. Le sujet était pas fascinant, mais L'Amant était vraiment belle, donc ça j'ai beaucoup aimé. Mais malheureusement pour Marguerite Duras, ça a été détrôné par Electre de Giraudoux, qui est une pièce de théâtre, une tragédie en 2 actes qui a été montée en 1937 et qui est sublime. J'adore Giraudoux, il écrit extrêmement bien, je trouve, et il arrive à moderniser le mythe d'Electre sans que ça semble bizarre. Donc, dans Electre, on suit... Attendez, parce que là, il y a 22 personnages dans les tragédies antiques. Donc, on suit... donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a Agamemnon, le roi des rois, qui sacrifie au dieu sa fille Iphigénie. Donc, la femme d'Agamemnon, Clytemnestre, aidée de son amant Égiste, l'assassine à son retour de guerre de Troie. Et ils bannissent le fils, qui s'appelle Oreste. Donc ça c'est avant, et il reste la deuxième fille qui s'appelle Electre, qui est à l'époque de l'assassinat de son père toute petite, et donc la pièce commence lorsque Electre a grandi des années après, et que
et que Clytemnestre, donc sa mère et son amant, veulent marier Électre à le jardinier, au jardinier, pour se débarrasser de la malédiction qui pèse sur elle, enfin pour éloigner la malédiction de la famille. C'était sublime, c'était magnifique. La langue est très 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 belle. Il y a un tragique et une beauté et une critique un peu donc de la société bourgeoise des années 30, enfin des années 20-30, qui est à mon sens tout à fait intéressante aujourd'hui aussi. Et voilà, j'étais complètement emportée dans l'histoire. Et moi, vraiment, j'adore les tragédies. J'adore les tragédies, il y a un côté vraiment, enfin voilà, on se laisse emporter, on se laisse toucher, on sait que ça va mal finir, mais en même temps, voilà, on est emporté par, par la beauté et par l'amour. Donc Electre, j'ai adoré. Ensuite, j'ai lu ce court roman, cette grande nouvelle de Tourguenieff, Les eaux tranquilles, que j'ai beaucoup aimé en fait, Donc ça a été écrit, il a été publié quand ? Dans les années 1830, il me semble. 1830-1845, donc c'est pas tout jeune. Et on suit un jeune homme de Saint-Pétersbourg qui va dans le village qu'il possède pour voilà, gérer ses affaires. Et donc c'est le récit en fait. C'est le récit d'un été un peu magique où, à côté de son village à lui, il va rencontrer un autre propriétaire terrien et puis deux belles jeunes filles chez ce propriétaire. Et donc, bon, voilà. Mais en fait, ça sert surtout de prétexte à décrire la société russe de l'époque, les conventions sociales. On a un narrateur qui est tellement dans l'hésitation, en fait, que... Enfin, voilà, il y a deux belles jeunes filles enfin, sous son nez et en fait il arrive à en choisir aucune. Il y a des descriptions qui sont absolument sublimes dans ce livre, des descriptions de la nature, des descriptions, enfin voilà, des choses où vraiment on y est, on a envie d'y être quoi, donc c'est auprès de ces eaux tranquilles, ces étangs, ces forêts de bouleaux, etc. Donc la langue était très belle et puis voilà, il y avait pas mal de réflexions à la fin sur l'oubli, le temps qui passe, la jeunesse qui s'enfuit. Donc c'était un très beau livre, j'ai beaucoup aimé. En fait, je pensais que j'allais avoir plus de difficultés avec, parce que pour le moment j'ai encore eu un peu de mal. Enfin, pour le moment j'ai un peu de mal à rentrer dans la littérature russe en général. Et là, je me suis accrochée parce que je savais que c'était court. En fait, la principale difficulté, c'est que les personnages ont deux ou plus noms différents, donc il faut bien repérer qui est qui, mais voilà, mais sinon la langue était très belle et c'était finalement très moderne, je trouve, pour un roman qui a été publié donc au milieu du 19e siècle. J'ai trouvé que c'était voilà, très moderne, très beau, et que j'ai pris beaucoup plus de plaisir à le lire que ce que je pensais, donc plutôt une bonne surprise. Et enfin, je voulais lire un roman, j'avais envie d'un roman assez... rapide à lire, forcément, vu que c'était... Enfin, j'ai lu ça en une journée. Et donc, j'ai lu 2 et 2 font 3 de Françoise Giroux. Donc, déjà, ce qui m'a... Bon, c'était pas déplaisant à lire, hein, mais ce qui m'a agacée, parce que là, j'ai le nez dessus, c'est qu'en fait, déjà, la quatrième de couverture raconte absolument tout le livre, donc ça n'a plus grand intérêt. Hein. Donc, voilà, donc 2 et 2 font 3, c'est le récit de Marine et des deux hommes de sa vie. Le premier, Igor, qui elle a connu pendant la Résistance, un personnage flamboyant, ils se sont aimés dans la... Enfin, bon, blablabla. Et le... quand passe le temps héroïque et que vient le prosaïsme de la vie normale, quel peut être le sort d'un pareil attachement ? Et le second, David, est un journaliste anglais qu'elle a rencontré des années plus tard, un soir de désœuvrement, blablabla. En fait, d'un côté, ça correspondait à ce que j'avais envie de lire. J'avais envie de lire une histoire d'amour, un truc passionné et tout. Je trouvais que, enfin voilà, je suis en confinement dans la maison familiale où mon arrière-grand-mère et ses deux frères sont entrés en résistance dans le maquis, enfin, surtout ses deux frères d'ailleurs qui n'en sont pas revenus. Donc je trouvais ça intéressant d'aborder le thème de la Seconde Guerre mondiale et tout. Mais Françoise Giroux, en fait, elle a écrit aussi beaucoup de scénarios, de scénarii du coup. Et en fait ça se voit complètement parce que ça c'est écrit comme un scénario.
C'est-à-dire qu'on dit Marine fait ci, Igor fait ça, il se voit, il fait ci, il fait ça, et il n'y a aucune psychologie des personnages, à aucun moment dans leur tête, à aucun moment on comprend pourquoi ils tombent amoureux, pourquoi ils cessent d'être amoureux, pourquoi ils font ce qu'ils font, qu'est-ce qui guide leurs actions, voilà, ça c'est très mal exploré, je trouve. Et du coup, ça. Et puis elle nous explique beaucoup aussi ce qu'on doit penser, elle nous dit, ah, il se passe ça, et donc. Vous voyez, ça montre l'inévitabilité de difficile retour à la normale, machin, après la résistance. Donc je crois que c'était un peu... Les ficelles étaient un peu grosses. Et j'étais pas du tout emportée par les deux histoires d'amour de Marine avec Igor, qui est un personnage absolument insupportable. Un espèce d'artiste raté qui fait tout payer à sa femme. Et David, qui ne sert à rien à part... être le repoussoir de Marine qui va faire qu'elle quitte son mari, quoi. Donc, bon, un peu dommage, un peu déçu. Bref, donc voilà, c'est tout pour moi, c'est tout pour ce challenge, 7 jours, 7 livres, auquel j'ai lamentablement échoué, mais c'est pas grave. Là, cette semaine, je vais essayer de recommencer à lire davantage. Et puis, je vous ferai peut-être une autre vidéo de recap de mes lectures, je sais pas trop comment l'intituler, ce sera pas vraiment... mes lectures du mois de mars, déjà parce que ça devient un peu tard en avril, mais aussi parce que y a les 4 livres que j'ai lus là, je les ai lus au mois de mars, et je veux pas non plus vous noyer sous toutes mes lectures et tout, c'est pas grave. Donc j'essaye de réfléchir à un format où je pourrais vous parler soit des livres que j'ai aimés, soit si ça vous intéresse, je pourrais vous parler de tous les livres que je n'ai pas aimés depuis le début de l'année. Pour un peu de littérature bashing, voilà. Dites-moi ce que vous lisez. N'oubliez pas de vous abonner, s'il vous plaît, ça me fait plaisir. Ce serait sympa de vous abonner et de partager cette vidéo avec des gens qui aiment lire aussi. Et puis voilà, dites-moi ce que vous lisez et si vous avez des recommandations de livres que vous pensez qui me plairaient, ce sera avec grand plaisir. Bye.